Écoutez, moi, je m'occupe de Sanofi Activité Industrielle. Sanofi Activité Industrielle, c'est une centaine de sites dans une cinquantaine de pays dans le monde. Voilà, ce qui m'amène à travailler sur des aspects de transversalité qui sont très importants pour l'efficacité et la cohésion de l'ensemble. Alors, l'approche que j'ai adoptée, ça a été de prendre, je dirais, la question par les job family, parce que la job family, c'est une manière de regrouper des personnes de manière transverse sur l'ensemble du monde, c'est worldwide, et on évite aussi de rentrer dans des discussions par entité, par géographie, par business. Donc voilà l'approche que j'ai lancée. Ben, les dangers, c'est toujours de créer des silos, parce que finalement, il y a des silos naturellement organisés autour des business. Chacun se met dans son périmètre d'activité. Il y a des silos un peu par pays aussi, parce qu'on a des cultures pays, c'est tout à fait normal. Mais en créant des familles, je peux aussi recréer des silos familles. Donc il faut toujours travailler sur le collectif, la manière de faire la transversalité, et pousser chacun à travailler dans une équipe plus large que celle de son quotidien. Alors, les facteurs de succès, c'est d'abord de travailler avec le management. Dans le domaine des ressources humaines, je constate que tout ce qui est fait sans l'implication totale du management, la compréhension par le management de ce que nous proposons en RH, n'a pas vraiment beaucoup d'efficacité à terme. Donc ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, c'est de donner du sens à tout le monde sur ce que l'on veut faire, pourquoi on veut le faire, du sens et de l'opérationnalité en quelque sorte. Alors effectivement, l'approche Job Family, pour moi, elle repose sur trois grands piliers en quelque sorte. Le premier, c'est le talent management, c'est-à-dire permettre de créer des opportunités de développement à tous les collaborateurs qui sont dans les familles professionnelles, donc talent mindset, talent pipeline, talent review. Le second, c'est le workforce planning, c'est-à-dire anticiper, savoir vers où on veut aller, vers quel type de carrière on peut proposer aussi des évolutions intéressantes à nos collaborateurs. Et puis le besoin de l'entreprise, bien sûr, en connexion. Et puis le troisième axe, ce sont ce que j'appelle les académies, c'est-à-dire les formations qui vont accompagner ce parcours, sa diversité, qui permettront aussi de faire des passerelles entre les familles, puisque c'est un des sujets que j'ai évoqué au début. Voilà les trois piliers majeurs.